Salut les féministes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4, avant-dernier épisode de la série, si tout se passe bien, ou avant-avant-dernier grand maximum. Donc j'ai un petit peu avancé en 9, et vous voyez sur votre écran, je suis en demi-finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain, donc un classico de plus dans cette partie, il y en a beaucoup. On va checker le calendrier tout de suite, mais avant toute chose, j'ai fait, allez on s'est arrêté là, après Monaco, c'est ça, il me semble. Après j'ai eu 4-0 contre Metz, triplé d'Under et un but de Aubameyang, 1-0 face à Nantes, but en fin de match, si je ne me trompe pas, c'est ça, but d'Aubameyang encore, donc il est encore très important pour nous. J'avais tiré le Red Star, doublé d'Under, Gouery, Aubameyang, ça s'est très bien passé. 3-0 face à Nice, Mitch, Gouery, 5-2 face à Lorient, en quart de finale de Coupe de France, Curtis Jones, deux fois Bennacer, De la Fuente et Aubameyang, et Nigren Martinez pour Lorient. 2-0 face à Toulouse, Mitch, Kabak. On fait 2-2 face à Inter de Milan au premier tour éliminatoire de la Ligue des Champions. Beau match. On se faisait mieux 2-0 et on les a rattrapés à 2-2 à domicile. 4-1 contre Lorient en championnat cette fois-ci, Kataka, Aubameyang par deux fois, De la Fuente et Bazic. Et on perd sur un malheureux 1-0 qui nique totalement notre dynamique depuis très longtemps. But de Banga en fin de match. 19 tirs à 8, un temps exigé à 0,80. Donc on va jouer contre Paris en demi-finale de Coupe de France. Amiens, je fais en 9. On va jouer contre l'Inter. Donc on va savoir si je me qualifie en quart de finale de Ligue des Champions. Et ensuite on va jouer face à l'OL qui sont 3e du championnat. Et clairement je ferai en 9 pendant la vidéo. On est toujours à 7 points d'écart de Paris. La défaite contre Saint-Etienne nous fait mal. Je sais pas si Paris en 9 a fait des boulettes. Non, ils ont tout gagné leur match de championnat, donc ça va être très compliqué de chercher le titre et de valider le défi, mais il reste 10 matchs de championnat, donc il suffit de tout enchaîner, et puis bah, pourquoi pas. Et pourquoi pas aussi emporter un petit match de Coupe de France, ça pourrait être sympathique. Et Lyon nous colle au train avec 55 points également, il y a Monaco qui est vachement loin, donc je pense qu'on finira 2e. J'y crois pas au titre, hein, malheureusement, Paris a une grosse équipe. Si on regarde le mercato, ils ont recruté Ugart en fin de mercato, uruguayen pour la rotation 28 millions, Incapié je connais pas, équatorien, défenseur central pour la rotation pour 24 millions, Madi Camara, pareil, gros milieu de terrain qui vient du Real Madrid dans la partie, donc voilà, ils ont recruté quelques joueurs, et moi également j'ai eu un prêt d'un joueur pour remplacer Duverne qui est parti, c'est Harwood Bayliss de Manchester City, un prêt qui va tout coûter 230 000 au total, avec 8 millions, en option d'achat, mais je vais pas le lever parce que après la fin de saison je vais arrêter la partie, je vais vous la refiler. Une fois que la partie sera terminée, je vous donnerai la partie. Pour ça, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, si jamais vous voulez continuer la partie avec Marseille pour gagner la Ligue 1, etc., pour emporter le défi si jamais j'y arrive pas, ou même si vous voulez continuer la partie tout court, je vous laisserai la partie lors du dernier épisode de cette série. Et ensuite, pourquoi pas, si vous me recontactez derrière et que vous montrez votre partie par des screens, ou vous me donnez votre partie tout court et que je puisse fouiller un peu ce que vous avez fait, entre temps, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Donc j'ai pris ce mec-là en tant que 4e défenseur au cas où. Et du coup, Duverne est parti, ça dans le dernier épisode, je crois qu'il était parti dans le dernier épisode. Voilà, il est parti à Lille pour gagner du temps de jeu pour 7 millions d'euros, donc petite plus-value. Et j'ai vendu Tondja, c'était prévu. J'ai recruté Bennacer et Hannibal, mais je brille. Du coup, Tondja était un peu en trop. Je l'ai vendu à Cagliari 9,5 millions. 3 passes D et 1 but pour 5 matchs, 7,50 de moyenne. Donc il fait de très beaux débuts à Cagliari. Tant mieux pour lui, et Versini que j'ai prêté. Du coup voilà tout ce qui s'était passé en off. Il y a aussi des rumeurs de reprise, je crois que je dis souvent ça. Benjamin Lecomte veut rejoindre un club possédant un meilleur effectif. On signe d'accord sur un prix à 4,5 millions, personne ne lui mettra le prix. Et Kabak était super pour rejoindre Séville, mais je n'ai jamais fait la promesse. Du coup voilà, objectif, qualification en finale de Coupe de France. Si on gagne, on est soit face à 3, face à Lyon. Je pense que Lyon sera l'autre finaliste, hein. 3 est en Ligue 2, mais bon, on sait jamais, des miracles peuvent arriver sur FM. Du coup, voilà la compo face à Paris, Lopez, Irola, Kataka, Kabak, Kolagina, Kandombele, Bennacer, Hannibal, Jones, De la Fuente et Mitch. Je mets pratiquement l'équipe type. J'ai envie de gagner cette Coupe de France pour faire un titre en plus dans cette carrière, même si je n'emporte pas le défi de remporter les gars, au moins ça fera un trophée en plus de Coupe de France dans cette game. Donc avant de continuer la vidéo, cette vidéo se fait en partenariat avec FM Ultra, site dédié à Football Manager du 22, qui possède plusieurs rubriques concernant le jeu, que ce soit en termes de tactique, en termes d'effets réalisés, en termes de wonder qui a trouvé sur le jeu, donc n'hésitez pas à aller voir son site, il y a plusieurs rubriques concernant le jeu. Je laisse le lien en description, tout comme notre Discord qu'on gère ensemble. Pour nous rejoindre en tant que Ultra, on est plus de 400 membres, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je laisse tout le lien en description sous la vidéo. Donc Lewandowski, Dani Olmo, Messi, Kulusevski, Valverde, Rodri, Mendes, Ramos, Marquinhos, Hakimi, Donnarumma. Dans cette carrière-là, ils ont gardé toute l'équipe type, à la défense type depuis le début de partie. Le banc fait moins rêver, mais alors, le 11 type, il est quand même pas mal. Pareil, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous en pensez du défi, si jamais ça vous divertit, si vous aimez la partie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je lis tout le monde et ça me fait plaisir de vous lire et d'avoir vos retours. Très important pour moi également. Allez, Irola, De la Fuente. Alors je vais faire comme à Caca avec Saint-Etienne, je vais faire moins tourner l'effectif que d'habitude. Parce que c'est peut-être pour ça que j'ai des mauvais résultats par moment. Donc on va souvent retrouver le même 11 jusqu'à la fin du championnat. Et de la fin de la saison tout court. Juste en faisant tourner quelques joueurs, bien sûr, s'il y en a qui sont fatigués. Attention que Lewandowski, le but est magnifique. Voilà. PSG de cette carrière est quand même assez énorme. 1-0 pour Paris. Bon, après, c'est la Coupe de France, c'est pas le championnat, donc c'est pas très grave non plus. Allez, Bennacer. Kolagina. Trouve Hannibal. Belle passe pour Mitch. 17 de finition. Voilà. Bon, bah, mi-temps, on n'est pas ridicule dans les stats, mais bah, l'action qu'on a eue, on l'a pas mis. Eux, l'action qu'ils ont eue, bah, ils l'ont mis. Coup franc direct pour nous. Hannibal. Jones. On aura De la Fuente. Ndombele, Kataka, Bennacer, Ndombele, Bennacer. Ça de se trouver, Milic est complètement hors jeu, je sais pas ce qu'il fout là, et... Très mauvaise frappe, toute molle, Marquinhos, Valverde, et Lewandowski, Messi, ouais. Irola qui a pas anticipé la passe pour le mot Lewandowski, Mendes, Jones qui dégage à Milic, et non mais je vais pas récupérer, j'y ai trop cru. Hakimi, Valverde, ouais. L'arrêt de Lopez. Bon, on va faire des changements. Curtis Jones va sortir. Je vais mettre Aubameyang sur l'aile. Hannibal sort. Tolisso sur ceux qui sont cramés. Kolagina va sortir. On va mettre Kalulu. Et ça sent l'élimination alors qu'on n'a pas été ridicule, je trouve, face à Paris. Et s'il fallait un perdant, ça sera non. Et bah 1-0 pour eux, tant pis, pas de chance. On va se focus un peu plus sur le championnat. Bon, du coup, je vais vous retrouver pour le match face à l'Inter de Milan. Donc on se retrouve pour le match face à l'Inter de Milan. Bon, ça s'est très bien passé en 9 hein, contre Amiens. 4-1, Jones, doublé de Milic, Under et Aubameyang qui a dû la marque vers la fin du match. Et autre bonne nouvelle, Paris a fait nul contre Nice, à domicile en plus. Donc on les rattrape de 2 points, il n'y a plus que 5 points d'écart. Donc... tout est possible, sachant qu'il nous reste nous à jouer. Ils ont encore la finale de Coupe de France qui va donner la fatigue. Ils vont jouer à l'extérieur contre Strasbourg qui est loin d'être simple. Ils ont le Lyon à jouer. Et Saint-Etienne qui sont 5e. Donc franchement, tout est possible. Nous, bon, je vais mettre l'équipe là face à l'Inter de Milan parce que je vais jouer le coup à fond. Enfin, je sais pas trop. Un coup, je joue tout le championnat. Un coup, est-ce que je mets l'équipe B en Ligue des Champions? Ça fait un peu bizarre. Mais bon, après, je joue 3 jours plus tard face à Clermont-Ferrand. Ça, c'est pas un peu le gros match. Clermont-Ferrand son dernier, donc ça devrait le faire. Je vais mettre l'équipe pratiquement type. Lopez, Irola, Kataka, Kabak, Kolaginac, Ndombele, Bennacer, Hannibal qui retrouve le 11, De la Fuente à droite, Jones et Milic. Donc ils ont Correa, Guilherme, Arana, Adeyemi. Donc ouais, on affronte, j'ai même pas capté, on affronte l'Inter de Milan qui nous ont battus en finale l'année dernière. J'avais pas capté. Ils ont Adeyemi, donc le buteur de la finale de l'année dernière, si je me trompe pas. Brozovic, Barella, Kovacic, énorme milieu de terrain. Gosens, très bon latéral. Zagadou, De Vrij, Skriniar. Et Onana, sachant qu'André Onana, IRL, a signé à l'Inter de Milan. Donc, ce qui prouve que FM peut être un jeu très réaliste sur le papier. Donc, ils jouent 4-3-3 comme nous. Donc, à nous de nous imposer là-bas, en Italie. Par contre, je vais réduire un petit peu la marche, sachant qu'il y a une action. Voilà. Je suis mis en accéléré face à Amiens pour... voilà, c'était pas non plus le match le plus intéressant que je puisse regarder. Donc, j'ai mis très vite. Il y a déjà une action dès les premières secondes de jeu. Brozovic, Gosens, Arana. Ce serait bas haut de se prendre un but dès le début de match. Kolagina qui a la traîne. Adeyemi, le crack. Skriniar qui monte vachement haut pour un défenseur central. Ou il joue latéral peut-être, c'est pas impossible. Barella, Kovacic, Correa. Brozovic, le tir de Brozovic. Wow. Le point fort, je trouve, de l'équipe, c'est le milieu de terrain. Gros milieu de terrain, Brozovic, Barella, Kovacic. IRL, ça fait très très mal ça. Ça ferait très très mal. Arana, Gosens, oh bien joué Saminic, qui est descendu pour défendre. La Fuente, allez, faut construire. Bennacer, les recrues, faut qu'ils se montrent. Je les ai que pendant 6 mois, vu que j'arrête la partie en fin de saison. Mais faut que j'utilise à bon escient pour au moins qu'ils prouvent quelque chose. Milic, Jones, bien joué ça pour La Fuente. Oh, la finition de La Fuente, oh, elle est magnifique. Très belle finition de La Fuente. Onana n'a rien pu faire. 1-0 pour nous, pour l'instant on est qualifié. Alors on a 3 tirs partout, par contre ils ont... la possession de balle, par contre. Paul Lopez, De la Fuente, Bennacer, Ndombele. La belle passe pour Conrad De la Fuente. La belle pique. Ah non. Non, 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 t'as pas le même talent que Kulusevski. Qu'on a pour nous. Pourquoi pas la doubler la marque? Oh, le poteau. Dommage. Et ben, on fait un excellent match. Au niveau des stats, c'est équilibré. Mais le fait qu'on domine là-bas, Ça montre qu'on a fait d'énormes progrès quand même depuis le début de la partie. Et ben on va faire les changements parce qu'il se passe rien dans cette deuxième mi-temps. On va mettre Under à la place de Curtis Jones. On va faire entrer Rongi... Ouais non, Hannibal fait un moins bon match, on va mettre Tolisso plutôt. Entrée de jeu, et pour l'instant je vais faire que ça. Et on va sortir Kolagina que je pense, et je vais faire entrer Kalulu. Très bon joueur sur FM, hein. Je le conseille franchement pour ceux qui cherchent des latéraux. En début de partie, vous pouvez l'avoir en prêt de mémoire. Kalulu, qui est à l'AC Milan. Mais très bon défenseur, très polyvalent en plus. Avec un De la Fuente. Mitch, le tir. Oh, oh, il est rentré là. Oh, le poteau. Oh, on aurait mérité de marquer là. Et peut-être sur ce corner, Under. Mitch. Ah, dommage. Mitch, il vendange, il vendange. Et c'est pas fini. Faudra pas le regretter cette action là. Pavard. Pavard à l'Inter de Milan, ça fait un peu bizarre. Correa. Wow. Lopez, l'arrêt. Ok, je crois qu'il était au-dessus. Parce que franchement, Correa en pointe, c'est pas que c'est un mauvais joueur, mais. C'est pas un calibre d'un Lukaku à l'Inter de Milan ou d'un Lautaro Martinez. Je trouve qu'en pointe, c'est un peu faiblard par rapport à l'Inter de Milan. Que des actions, j'hésite à me mettre en trait défensif. Le dernier coup que j'ai fait ça, c'était avec Saint-Etienne et ça n'avait pas marché. Donc, ouais, ça sert à rien. Un partout, on va devoir jouer des prolongues ou tir au but. Je sais plus si c'est des prolongations. Alors, cette mauvaise manie de se prendre des buts en fin de match, et là, ça se trouve, ils vont nous achever. Non, c'est dégagé. En même temps, ça m'arrangerait un petit peu parce que les champions, c'est pas l'objectif de la partie, mais bon, j'essaie de jouer le coup à fond cette année vu que c'est la dernière saison. Et Milic, pourquoi pas? Pourquoi pas Milic? La finition, voilà. Désolé. Putain, enfin, il est sévère sur ses 17 de finition. Enfin, putain. Allez, 2-1 pour nous. Et on est qualifié. Et le Bayern élimine le Paris Saint-Germain. Bon, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui et non, parce que Paris va avoir moins de matchs et se concentrer plus sur le championnat. Et nous, on va devoir un peu se concentrer en Ligue des Champions. En tout cas, je vais clairement en off et on se retrouve pour l'Olympico. Donc, on se retrouve après le match face à Clermont-Ferrand. Comme vous voyez, belle douille face à la lanterne rouge du championnat. 17 points seulement. Ils étaient sur 5 défaites d'affilée. Et nous, on fait un pauvre 0-0 à domicile. Non, à l'extérieur, pardon. Face à cette équipe qui a dû faire beaucoup de fautes avec tous les cartons jaunes. 12 tirs à 7. Alors, ils ont fait beaucoup de frappes. Encore regarder la composition d'équipe. J'ai mis Aubameyang parce que Mitch était fatigué. J'ai mis Under Jones. Voilà, comme il est. Rongier, Hannibal, Gay. Voilà. Kabak, Kataka, Irola, Kolagina, l'équipe, la défense type. Et limite, ils avaient plus de moments clés que moi. Je ne comprends putain de pas pourquoi je n'ai pas assez à gagner assez facilement face à une équipe de dernier de Ligue 1, quoi. Alors que j'ai des sacrés joueurs. Sachant qu'en plus, Lyon nous passe devant parce qu'ils ont gagné et que Paris, ah, ils ont gagné. Ah oui, bah bien sûr, le but à 91e. Demi-6 pour Paris, forcément, la classique, pour te distancer en championnat. Je pense que le titre de Ligue 1, c'est foutu pour bon. On a re-7 points d'écart, on a gratté 2 points tout à l'heure, et on repère. On va affronter Lyon 2ème, mais là, si on perd, ça pue du... Ils ont Origi, Bergwijn, Zakani, grosse attaque, Nicolas Pepe aussi, Aouar, Cacré, Foulon, Rodrigo Becao, Denayer, Adams et Anthony Lopez, toujours au cage. Ouais, ça me fout les boules des nuls comme ça, parce que c'est des trucs comme ça qui fait que bah le titre de Ligue 1 t'échappe, tout simplement. Foulon pour Rodrigo Becao. Là, faut surtout pas perdre ce match. Là, si on perd, on peut même finir 3ème à la fin du championnat, c'est loin d'être impossible. Mais ça prouve que derrière, bah les concurrents, comme j'ai déjà dit sur ma carrière Saint-Etienne, les concurrents au tableau recrutent bien, font un bon recrutement, bah derrière, ça crée de la concurrence. Donc bah c'est comme ça. Pepe, Aouar, Adams, donc l'action est pour eux. Adam sous centre, il y aura la tête. C'est jamais à voir, la récupère. Zakani. Toulon. La passe pour avoir. Pépé. Le but. L'avare, encore une fois, avait chance pas qu'il y a hors-jeu, ou alors c'est limite. Et là, ça commence déjà très mal. Ouais, but pour eux. Alors, en Ligue des Champions, on joue super bien, mais alors, par contre, dès qu'il s'agit de jouer contre Clermont, c'est compliqué. Et nous, on tape là-bas. Voilà. C'est mes carrières FM, c'est tout le temps ça, des barres, des poteaux, tout le temps. Franchement, je vous mets au défi de regarder tous mes épisodes, ou tous ceux qui me suivent, et je suis sûr que tous les matchs que je vous montre, il y a toujours au moins un poteau, une barre dans chaque épisode, que ce soit avec Saint-Etienne ou Marseille, j'en suis quasi sûr. Il doit y avoir peut-être un ou deux épisodes, mais pas plus, où il n'y a pas de barre et de poteau. Jones, c'est un truc de malade. Alors qu'honnêtement, un championnat, une équipe de Ligue 1 en championnat, elle touche combien de fois les montants et le poteau en une saison? Sachant que t'as 38 matchs de championnat. Attention Adams. Sûrement le 2-0. Non. Sachant que t'as 38 matchs, allez, on va te dire un poteau tous les 2 matchs. Ouais, tu touches 19 mois les poteaux et montants peut-être, une vingtaine de fois. Je sais pas, faut voir les statistiques IRL, parce qu'on peut pas les avoir, je crois que sur le jeu. Le nombre de montants touchés par équipe. Under, pourquoi pas. Ouais, non, l'arrêt de Lopez, malheureusement. Quelle surprise. Donc voilà, à vérifier. Mais une équipe de Ligue 1, ouais, en moyenne, je pense qu'elle doit toucher plus. C'était mal joué ça, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ouais, une équipe de Ligue 1, je crois qu'elle peut, elle touche quoi, 15-20 poteaux ou montant dans une saison? À vérifier. Hein. Je crois que c'est pas plus. Hein. Après, tout dépend des équipes, c'est sûr. Hein. Mais tu touches pas des montants tous les matchs. Hein. Pépé, Kolagina qui récupère. Kolagina, Mitch, le tir de Mitch, ah là. Frappe pivot, pied gauche, ras du poteau, magnifique. Un partout. Et désolé si ça m'énerve un petit peu ou ça me frustre parce que je suis à deux doigts de remporter un défi, je m'impose un défi personnellement et tu as deux doigts de le remporter et le jeu, voilà, il te fait perdre contre les derniers, ce qui est complètement illogique alors que tu viens de gagner contre l'Inter de Milan avec ça, enfin bref, c'est frustrant. Je dis pas qu'IRL ça peut pas arriver, mais dans FM c'est chiant quand tu joues parce que c'est hyper frustrant en fait. Allez, penalty pour nous, ça c'est bien. Allez, on a la faculté de bien remonter quand on se mène au score tôt dans le match. Mais la fin de match, souvent, on se prend un ou deux buts. En même temps, vu les stats, s'il devait avoir un vainqueur, ce serait plus nous, hein, quand même. Hein. Plus d'XG, plus de frappes, largement. On est plutôt bien, faut continuer comme ça. De toute façon, Paris mène 2-0 contre Lorient, donc si on gagne contre Lyon, il y aura toujours 7 points d'écart avec Paris, comme en début d'épisode. Donc, il faut que je rattrape ce retard en off. Mais à voir si les joueurs veulent remporter cette Ligue à un fond, et voir si Paris, derrière, bah, fasse quelques erreurs. Ils ont failli faire nul contre Toulouse, ils ont... fait nul contre Nice, donc voilà, il y a des failles, il y a des failles. Allez, Under, allez, 3-1. Ah, c'est quoi cette finition? On peut pas décaler là, tac, et tirer, dribbler le goal. Non, c'est trop compliqué. Hein. Voilà, Gignac, qui perd la balle. C'est le point faible de cette équipe, hein. Malheureusement, j'ai pas trouvé de défenseur gauche à temps. Parce que moi, je préfère bien observer le joueur avant de me recruter, pour pas me faire douiller. J'ai pas trouvé de joueur qui me convenait. Irola, Under, Bennacer, le jeu en triangle, pourquoi pas. Bon espace. Lopez, le dégagement. Origi. Ndombele sur la trajectoire, c'est très bien. Hannibal. Under. Là, cette fois c'est dedans. 17e but de la saison. Under, c'est vraiment la belle surprise de cette carrière. Je ne m'attendais pas à un tel niveau du Turc. Et quand je ferai vraiment le vrai bilan de fin de saison, de fin de partie, je vais dire vraiment les joueurs qui m'ont marqué dans cette carrière. Mais Under, c'est sûr qu'il fait partie du top 3. BKO qui récupère. Kataka qui fait de la merde, non qui récupère. Irola, Bennacer, Under, Jones qui tacle, le tacle qui donne à l'adversaire, la classique de FM. Compte favorable, tant mieux, ça arrive de notre côté. 4-1 contre Lyon, mais vous voyez, on peut sortir des putains de matchs et on fait nul contre des derniers jeux. C'est ça le truc complètement incompréhensible. Alors, encore une action, la 5-1, ça commencera à faire cher pour Lyon. Ndombele. Under, ouais. Le trou, oh, la défense, toi. La défense catastrophique. On va faire entrer Aubameyang. On va faire entrer qui? Tolisso. Hein. Et Kalulu. Hein. Kalulu, il mérite de jouer. Hein. Il fait de très bons entraînements. Il est toujours premier aux entraînements. Il fait les meilleurs en moyenne. Puis il est très fort, tout simplement. Regardez l'état de Lyon aussi. Hein. Oh, là, physiquement, ils sont complètement cramés. Ah, c'est con. On fait des belles victoires et tout. On a une belle équipe qui mériterait le titre de champion, mais on n'y arrive pas. Hein. On n'y arrive pas, c'est frustrant. C'est très frustrant. Le haut de la tête, Under, qui trouve Aubameyang, très bien ça. Tolisso. Attaqué, mais Jones récupère. Aubameyang, bon espace de Jones. Qui a fait 6-8, hein, on gagne 5-1, le joueur fait 6-8, c'est pas terrible. Hein. Jones, cette saison, c'est vraiment pas terrible. Hein. Gouery n'est pas là, du coup c'est Jones qui joue à sa place, mais... Il y aurait Gouery, Jones ne jouerait pratiquement plus. Hein. Comparé à l'année dernière, c'est compliqué je trouve. Hein. Après, c'est peut-être moi qui fais la connerie parce que Jones, je mets ailier gauche, c'est peut-être plus un milieu de terrain, mais le mec est tellement polyvalent dans ses stats que dans ses postes que tu peux le faire jouer ailier gauche comme milieu de terrain, donc c'est pas très grave. Hein. Bon, bah, chacun, hein. Quadruplé de Milic. Alors, Milic, c'est ça, c'est tout ou rien par moment. Des fois, il va pas te planter pendant deux matchs, il va te louper des occasions importantes dans des matchs importants et il peut te mettre un quadruplé face à Lyon. Franchement, Milic, je sais pas s'il y en a qui ont testé, ceux qui regardent la vidéo, mais pour l'instant, c'est 14 buts, c'est assez timide. Après 24, après 20, il est déjà 21, en 22 apparitions, il fait sa meilleure saison là. Tape de but, incroyable. 30 matchs consécutifs à domicile sans la moindre défaite pour l'OM. On est vraiment une forte chez nous, c'est les matchs à l'extérieur. C'est super giga compliqué pour nous. Hein. Les défaites c'est à l'extérieur, les nuls aussi. Non, les nuls c'est à domicile, ah dommage. Ah non, je suis con, je regarde Paris. Ah regardez, 4 nuls à l'extérieur et 1 à domicile. Contre Monaco, une belle équipe. et 3 défaites à l'extérieur. Tout est à l'extérieur, tout est fort à l'extérieur. J'ai une tactique, je suis une équipe qui n'aime pas jouer à l'extérieur tout simplement. Et oui, en Ligue des Champions, je vous ai pas dit, je suis tombé face à Liverpool, et si jamais je me qualifie, je tombe face à soit contre Man U, soit contre le Bayern. Voilà, fin d'épisode, bon en demi-teinte, il y a ce petit 0-0 en 9 que je fais qui est très dommage. Voilà, on aurait pu être à 64 points et Paris 69. Voilà, il reste ça à jouer en championnat, il me reste Lille à l'extérieur qui va être très compliqué, j'ai encore Bordeaux à l'extérieur qui va être très compliqué. Strasbourg à domicile, Rennes à l'extérieur, Angers, Paris-Brest. Le Paris-Brest, oui. C'est dû à un hasard du calendrier, ça. Mais ça, ouais, ça va être très compliqué de gagner le titre. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer comme dirait l'autre. Et je pense qu'on va se retrouver Liverpool, je vais le faire en off, même la demi. La demi-finale, si jamais je qualifie, je le ferai en off. On va se retrouver, je pense, pour le dernier épisode de cette carrière. Paris, Brest, Angers. Même s'il n'y a plus rien à... ouais, s'il n'y a plus rien à jouer en championnat, je ferai que Paris et Brest. Donc pareil parce que c'est un classico, je joue tous les classicos dans cette partie, et Brest pour clôturer le championnat, cette 4ème saison et le dernier match de cette game. Je pense qu'on fera ça. Ensuite pour conclure sur un bilan de fin de saison et dire quel joueur j'ai aimé en partie, quel joueur j'ai pas aimé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour me soutenir dans cette aventure YouTube et dans cette série. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour montrer votre satisfaction du travail que je fournis sur cette chaîne et à me soutenir également. Et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes différents réseaux, que ce soit Twitter ou Instagram, ou sur Twitter, je poste quelques trucs que je fais en off. Je mets des streams par moment, que je mets en off, des trucs intéressants par moment, que ce soit des transferts, des résultats, etc. Par moment, ça arrive de faire ça avec Marseille, mais aussi avec Saint-Etienne que je fais également. Moi, je vous laisse. Portez-vous bien tout le monde. À la prochaine et surtout, bon jeu à tous.